100 km de canalisation apposée aux villes suisses riveraines du lac en gaz naturel, voilà la décision prise par la société suisse Gaznat. Une grande première. C'est le groupe Bouygues avec sa filiale Kiel, spécialisée dans les travaux maritimes, et l'entreprise suisse Schauke qui enlevèrent ce marché en mars 1973. Elle s'est assurée l'acquisition de grandes quantités de gaz naturel de sources diversifiées et fiables, principalement ouest-européennes, sous forme de contrats d'approvisionnement à très long terme. Elle participe activement à la prospection de gaz naturel dans le sous-sol suisse en finançant des forages. La plus récente de ces réalisations, le gazoduc Transjura, fruit des liens étroits qui unissent le gaz de France et Gaznat, est le résultat d'accords qui permettent à Gaznat de disposer dans le sous-sol français de capacités de stockage de gaz naturel pour une période d'au moins 30 ans. Cette mise à l'eau fait l'objet d'une attention sans relâche grâce aux plongeurs et aux nombreux capteurs d'instrumentation informatisés. Le robot sous-marin complète la panoplie d'instruments de très haute technologie qui, sans cesse, contrôle et garantit la parfaite pose de la conduite. Concernant le planning des travaux, nous avons effectivement débuté les travaux le 1er mars 2013 par une cérémonie et la pose du premier tube et la balise, qui est essentielle pour nous. Les travaux vont se prolonger durant toute l'année 2013 par, d'une part, la pose des tubes, donc les travaux en ligne, et la réalisation des postes d'interconnexion, l'un à Trélet et l'autre à Colovray sur la commune de Bellevue. Les activités du département négoce sont multiples, de la négociation de contrats long terme, c'est-à-dire pour les périodes de 10 à 20 ans, aux achats au jour le jour pour les partenaires. Nous utilisons ce drone pour des travaux de surveillance, pour des suivis de chantier, aussi dans le cadre de projets comme des déplacements de gazoducs. Ça permet d'avoir une documentation du suivi du chantier, d'avoir des photos d'excellente qualité, vues du ciel, pour avoir des vues d'ensemble du chantier. Gaznat n'a pas seulement un passé riche en progrès techniques, mais également est tourné vers l'avenir dans la recherche de solutions pour un approvisionnement énergétique sûr, économique et avec le moins d'impact possible sur l'environnement. Alors,
Notre partenariat avec Gaznat, ça c'est le sujet du jour. Alors comme ça a déjà été mentionné juste à l'instant, nous avons trois chaires en collaboration avec Gaznat, celle du professeur Agrawal sur les Advanced Separation, celle de monsieur, le professeur Le Campion sur Geoenergy, et puis la chaire du professeur Lies Laloui sur le Geoengineering. Alors, ces collaborations-là, avec déjà trois chaires et puis tout ce qui en ressort au niveau de l'interface avec le campus, conduit à toute une série d'interactions tout à fait intéressantes, en tout cas très satisfaisantes pour le PFL et les chercheurs qui sont impliqués. Les émissions de CO2 donc, ne cessent de croître dans l'atmosphère. Et donc, il y a un besoin de réduire ces quantités de CO2 dans l'atmosphère. La solution la plus probable imaginée, c'est de remettre le CO2 d'où il vient, c'est-à-dire dans le sous-sol.